Ah bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur la chaîne de Data Reaper, la seule chaîne où l'on parle de vieux jeux, parce que je suis vieux jeu. Bref, je vais encore faire le con sur un jeu, hein. Phantom Breaker Battlegrounds. Quel nom super long pour un jeu qui est certes excellent, mais qui n'avait pas besoin de ça. Bref, qu'est-ce que c'est? Bah il s'agit d'un beat'em all, hein, qui ressemble énormément à Scott Pilgrim vs The World, le jeu vidéo de Ubisoft, si ce n'est qu'il est quand même bien meilleur. Bien meilleur. Enfin, ça vous verrez ça rapidement, hein. Alors, on va continuer sur... Non, on va se faire le arcade mode. Donc, on a le choix sur... avec pas mal de personnages. Et donc, c'est un jeu que j'avais connu, en fait, sur Xbox 360. Voilà, on va continuer avec le perso que j'ai monté. Et en fait, depuis que je branche plus ma Xbox, parce que, bon, diverses raisons, puis surtout la place de le brancher, de la brancher, eh ben, je ne pouvais plus y jouer, alors que c'est un jeu que j'avais bien dosé. Et on se met en hard, direct. On joue le con, ok. Et c'est un jeu excellent, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Sauf que là, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué, donc ça risque d'être assez médiocre. Et je parle de médiocre, c'est de ce que je vais faire. J'espère qu'on va bien m'entendre d'ailleurs sur la vidéo. Bref. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment, je fais pas mal de vidéos. Je sais pas trop pourquoi, enfin... Vous me direz si ça vous convient ou pas, hein. Le rythme, tout ça, hein. Cette série... Eh mais... Allez! Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer de plan, déjà? Ah, c'est là. Pour une fois que je vous présente un jeu qui me plaît dans cette série, je me prive pas. Allez! Voilà! Un vrai beat'em all, quoi. Comme on les aime. Bonjour! Je vais uniquement vous faire le premier niveau si j'y arrive. Évidemment, c'est un jeu où il y a tout ce qu'il faut, des coups spéciaux, des parades, des machins. Puis des augmentations de niveau, des... Enfin, bref. Les combos, les basiques, quoi. Les classiques. Mourez tous! Bon alors, si vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas, il est disponible sur Steam à un prix fort honnête de 15€ je crois. Et sinon il est souvent en promotion. Je l'ai pas payé plus de 3€ celui-là. Et encore, avec les extensions. Enfin les DLC. Faut dire DLC de nos jours. C'est mieux d'être moderne quand même, non? Hey go! La salle d'arcade. Allez, hop. Crap, ça part encore.
bon, on est bien pour l'instant. Allez, barrez-vous. Okay. Allez hop. Bim. Si vous trouvez que je joue mal, c'est normal. Et l'autre qui refusait de mourir. Bon. Par contre, je me rends compte qu'il n'y a peut-être pas de boss là. Donc ça peut durer longtemps. Allez, Terminator, merde! Et du coup, je commence à trouver la vidéo un peu longue. Allez, reviens là. Hop. Ah bah si, il y a des boss. Ok. Salut. Fait longtemps que j'avais pas fait le mode arcade, donc je m'inquiétais un peu. Allez, meurs. What? Mais... What? Ah, sur le fil, mais quand même j'ai gagné. Ok. Ok, bah stage clear, bah vidéo clear aussi. Hein. Allez hop. Ah, salut, bonne soirée, bonne journée, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, tchuss.